bilan aujourd'hui sur une année d'exploitation de janvier à décembre sera à 3 millions de passagers, un taux de ponctualité autour de 97%, à une satisfaction client qui dépasse les 92%. Quoique le tarif est accessible et de loin inférieur à ce qui est observé et pratiqué dans les pays qui ont développé la grande vitesse, et la question qui se posait, est-ce que l'ONICF sera en mesure d'équilibrer son exploitation, est-ce que ce projet ne serait pas un gouffre, ou comme on l'a appelé, un éléphant blanc? Aujourd'hui, la réponse est non. Aujourd'hui, ce projet, quoique le tarif est très accessible et les recettes sont inférieures rapportées aux clients par ce qui est observé ailleurs, en contrepartie, notre système d'exploitation est très bien optimisé. Il y a beaucoup d'ingénierie par rapport à ce système d'exploitation. On profite aussi de la compétitivité du coût Maroc, ce qui permet d'avoir une marge opérationnelle positive, c'est-à-dire que les recettes couvrent l'ensemble des charges d'exploitation. On a même une marge opérationnelle, qu'on est en train d'affiner les derniers calculs, qui couvre presque la totalité du coût de l'amortissement des trains.